Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Nous sommes en live sur Twitch, nous sommes mercredi, il est exactement 19h25. Ça vous donne une idée de quand et comment on fait les lives si vous voulez venir la prochaine fois. N'hésitez pas, hein. C'est gratuit. C'est Twitch, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. J'espère que vous allez bien. Et on retrouve notre So Berry, notre héritier Shyamalan. Qui va devenir un jeune adulte dans une journée ou deux. Donc ça va être bientôt. Coucou YouTube. Chantal. L'heure de fécondationner peut-être une femelle. Si on la trouve, sinon c'est pas grave, puisqu'on va commencer notre carrière. On va poursuivre nos compétences. Écriture, bien-être. On est à 4. C'est très bien. Et bien sûr, la collection de cartes postales. Pour l'instant, on en a 2. On en a que 2. C'est pas beaucoup, beaucoup. Coucou tout le monde. Coucou Paulinette, comment tu vas? Et nos parents, Copper et Emanuela, sont vieux. Je suis vieux. Donc en fait, on s'en fout parce que nous, on s'intéresse qu'à Shyamalan. Il n'y a que lui qui nous intéresse. Là, je viens de regarder un peu les règles pour la suite. C'est-à-dire que... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la mocheté? Mais t'es vraiment trop dégueulasse. Dégage. Désolée. Elle est pas belle. Pour la génération pêche, donc les enfants de Shyamalan seront de la génération pêche. Eh bien, on va rester dans cette maison jusqu'à temps de déménager. Avec l'héritier de la génération de pêche. Donc voilà. Je vais peut-être d'ailleurs pouvoir la fournir un peu plus parce que là c'est un peu triste. Hein. C'est un peu beaucoup triste, mais bon, on va attendre que les vieux y claquent pour pouvoir redécorer un peu plus de rose. Parce que là c'est pas bon. Sa maman dit qu'elle est particulière. Qui? Ah! Ah oui, très particulière, oui. Non mais t'as vu sa tronche, franchement. Elle est pire que moi. Et déjà, pour être pire que moi, faut y aller. Hein. Alors, on avait commencé un jardin. Ouais. Bon. Puis on a les gnomes qui sont là. D'ailleurs, on va les vendre. Tant qu'à faire. D'habitude, je les laisse traîner là pendant 10 ans. Bon, j'ai envie de les vendre, là, pour le coup. Mais bon, on a grandi pauvre. Hein. Ça, selon le Not So Berry, les règles, c'est on a grandi pauvre. On est à 64 000 simflous. Bon, on a une maison, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que les chambres des enfants, ils ont un sol. Ouais, ils ont, quand même, ils ont un sol, du papier peint, un lit, des rideaux et une lampe. Ah, Moi, je pense que c'est déjà pas mal. Il y en a, ils sont moins lotis que ça. Donc, merde. Donc, on est vendredi, il va aller en cours. Voilà, bah, tu vas te lever, hein, Bichette. Oh, Bichette, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as des toilettes à toi. Gourdasse. Ah, et là, il y a à manger. Merci, Serette, qui nous a fait encore à manger. Oui, c'est sa sœur qui a encore fait à manger pour lui. Pendant qu'elle se met les doigts dans les oreilles. Vaut mieux dans les oreilles qu'ailleurs, hein. C'est fou là la mocheté. Mais vrai, mais attends, mais j'en ai marre moi qui est que à chaque fois, de toute façon, dans le comment ça s'appelle, dans le Legacy, j'ai toujours des Sims random qui viennent comme ça, ils ouvrent, ils passent, ils font oui, bah quoi, on vient, on se balade, on vide la poubelle, on se casse. Bah non, juste non. Oh, la dégaine de Copper quoi. Le papy Copper. Oh, mais sois pas triste, Bichet. On transforme Edgar en rose bonbon. Jamais. Jamais. Salut, Caronix. Salut, Twitchers. Comment vous allez? I love the Sims too. Mais ils ont pas cours? Ah, on n'est pas encore 8 heures. C'est pour ça. Voilà, maintenant ils vont aller en cours. Jour férié épouvantable, Bichette. Oh non, j'en ai marre des options d'écologie, ça me casse les noix. Alors, on m'a dit que c'était des pommes. Non, vous déconnez, c'est des... C'est...
Non, je sais plus si j'ai... Enfin, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est des fruits? C'est des légumes? On sait pas. C'est des pommes, ça! J'avais dit des tomates? Je sais plus où j'avais dit. I don't remember. Ah, c'est vrai qu'elle, elle avait un mec! Sa sœur, elle a un mec. Elle est casée avec un mec de 45 ans. Jean-Eudes. 45 ans, adolescent, éternel, avec une moustache digne des années 70. Des pommes et une pastèque. Mais les pastèques, elles ont des zébrures normalement. C'est pour ça que ça me perturbe, moi, cette histoire. Enfin, j'en mange pas beaucoup, je suis pas fan de la pastèque. Mais... I'm fine and you, Caronix? I'm sorry, but we're speaking in French here. Because I am French and my viewers are French too, so I don't know if they understand English. But I can talk to you a little, but not all the time. With my very good accent. Pas toutes les variétés ont des zébrures, d'accord, je savais pas. J'ai peur rien si ton sim c'est mauvais artiste et a la flemme de faire des zébrures. Bon, dis, bah dans ce cas-là, c'est tous, hein. Parce que c'est dans l'ordre des 10, c'est dans notre Soberry, c'est dans tous. Je permets. J'ai trop de cheveux. Bon, bah écoutez, on va accélérer le temps, hein, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Chamallow rencontrait Ayato. La vie en rose 6, la prose en rose 5. Ah bah, hein. C'est sûr que c'est pas des best-sellers. Hein. Mais bon, il gagne 11 Steam Shoes par jour, au moins il sera... la lumière à tous les étages, celle-ci, hein. Ça se voit. Oui, 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 pourquoi ils sont rouges, les arbres? Ils sont bizarres. Chamallow rencontrer Greg. Mais rencontre des meufs, toi, le de rencontrer des mecs. Oh, et puis il est malade, maintenant. J'adore l'abstrait. Alors, tu vas aller voir... c'est quoi? C'était dans... Discuter... Et écrire une lettre à... Oh, je m'en souviens plus du tout où on en était. Oh, ça fait loin déjà maintenant. Donc, discuter... Demande une carte postale de... Non, j'en ai... Je sais plus. Donc, bon, après, c'est pas grave si j'en ai en double, mais bon. Sur le coup, je me suis demandé qui c'était. Je l'ai rarement vu dans cette tenue. Pour ça. You can speak English too, Eruline. So good. But you and me are not the whole of the people here. J'ai une question bête, mais est-ce que si la sœur prend aussi un correspondant, plus de possibilités de recevoir des cartes postales? Ben non, parce qu'en fait, si tu fais ça, c'est le même même chemin à faire. Tu commences à avoir un correspondant à telle ville, mais c'est toujours le même. Telle ville, puis tu envoies, machin. Après, c'est telle ville qui est débloquée, après, c'est telle ville qui est débloquée. Donc, en fait, c'est recommencer au début. Ça sert à rien. Ouais, je devais... En fait, je sais lequel j'ai. C'est dans son inventaire. Puis, de toute façon, tu vas dans collection. Et tu l'as. Sauf qu'on l'a pas. On l'a pas. Momohiro. Momohiro. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru qu'elle s'était chiée dessus, mais non, elle c'est juste qu'elle sent pas trop. Elle sent pas un petit peu la. Pas la bonbon, la rose. Pas la bonbon, la rose. Oh la vache! Oh putain! Bah, ça, c'est un Sims de Martial, ça. Ça, c'est un Sims de Martial. Encore. Oh là là, Bichet, tu vas te calmer? Eh, hey, va te prendre un bain de mousse, après. Il va nous claquer dans les pattes. Je t'ai pas dit de te laver, toi, wesh.
J'ai même pas vu que les parents étaient en train de dormir, moi tout va bien. Coucou Ricardo, comment tu vas? T'as plus de bites? Ah, c'est dommage ça. Merci, je regarde dans un coin de ma tête. Pas de soucis. Perso, j'écris pour avoir tous les correspondants possibles et après seulement je demande à tous, c'est mon casse-tête, sinon faut noter sur un papier. Ouais, ça, j'aurais dû faire ça. Alors, attends, bichet. Écrire une lettre à... Ouais, tu vas écrire une lettre à Moonlight Falls. Non, non, mais viens, viens. T'as du courrier à prendre? Même pas. Donc, ça veut dire que t'as pas de carte postale. Hey, Covid, hein? Tu te nettoies les mains? Toi, casse-toi. Non, non, mais monsieur, vous êtes bien beau, mais non. Non, ça, tu peux être sympa, tu peux être son meilleur pote. Mais ça ira pas plus loin. Puis l'autre, il vient l'emmerder, alors que lui, il est pas bien, quoi. Reste tranquille. Eh, va prendre ton bain, ça te fera du bien. Puis bah, c'est dommage, la sœur elle est... Bon, elle va le draguer, on s'en fout. La sœur elle est déjà casée. Il est shooté. Ils ont la même couleur de cheveux, ça peut rapprocher. Le même goût vestimentaire. Ouais, il est pas si queer que ça, hein, punaise. Ben non, Quentin, mais soigne-toi, appelle un médecin, hein, je sais pas, mais... Ça sert à rien, du coup. Hein. Ça va, tu t'es détendu du gland, mon petit? Ah non, ça c'est pourri, ça. Est-ce que tu peux prendre un truc dans le frigal? Ouais... Qu'est-ce que c'est ça? Du pain au fromage. Ah putain, mais il en reste des saletés qu'il a fait. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là. C'est bien. Elle fait à manger, elle fait le ménage. La petite. Ensuite, plus de choix. Discuter. Écrire une lettre à Bridgeport. Je sais plus, hein. On va écrire des lettres. Ah, mais dès que j'en fais une, en fait, ça s'annule, ça. Je sais pas. Discuter, écrire... Non. C'est pas ce que je voulais faire, Jean-Claude. Discuter, envoyer une lettre à Moonlight Falls. Écris des lettres. Écris. Oh là là. Oh, ce tapis. Putain. Ah, j'en ai marre. Il n'y aura plus de tapis. Qu'est-ce qui est... Il se passe des trucs là. Arrêtez de danser là. Ouais, coureuse de jupons, va. Tu nous surveilles pas justement, Marie. Là, et d'un seul coup, vous parlez plus. Et c'est marrant, ça, à chaque fois, ça papote, et puis quand je joue, vous. Personne qui parle. Je crois que j'ai eu des passés à la trappe alors qu'il se passe un truc entre les deux. Oui, bah ouais, mais bon. C'est... Oh bah elle fera ce qu'elle veut à plus tard à, dans son coin, mais en attendant, elle est destinée, quoi. C'est comme ça, hein. À un moment donné, zut, hein. Ça va mieux ou pas, bichette? Ah, oh, Covid-ed. Toi, dégage. C'est la nounou. Demandez une carte postale. Ah, mais si, ça y est. Bah tiens, tu vas aller demander les autres. J'avais pas Sunset Valley. Twinbrook, Appaloosa. Jeruk Kelka,
Baileys. Oh. Fiona. Je comprends rien. Wow. Allez, mais casse-toi! Oh, puis il est mortifié, c'est insupportable, il peut rien faire, quoi. Alors, il est sur son téléphone, mais en même temps sur son... Oui, c'est ça, sa courage veut être libre d'avoir le choix, c'est ça. Donc, elle partira avec l'autre, mais je crois qu'ils vivent ensemble, de toute façon, donc ça sera beau. Elle fera des bébés avec les deux, s'il faut, tu vois. Discuter, demander une carte postale de... Oh purée, hey, trouve un correspondant. Oh, allez, t'es chiant là, bouge ton fion, chamallow. On est vendredi, il n'y a pas besoin de faire ses devoirs. Il ira se coucher, divertissement, faire du zapping. Merci beaucoup Gonzalez Chat pour ton follow, bienvenue à toi. Et puis voilà. Il va se détendre, là, il va se remettre bien. Ce sera son anniversaire après. Si tu veux, tu te caches et puis tu pourras dormir. Allez, détends-toi le fion. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Mais moi, je pensais que t'allais te mettre dans le canapé. C'est quand même plus confortable. Ça fait vachement à quelque chose de se prendre la tête. Hein. Ah si, c'est bon, il regarde. Aïe, 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 c'est compliqué. Ce serait une belle ironie, le perso de Martial qui va avec Sakura, c'est ça. Mais l'autre est déjà aussi celui de Martial. Son mec, c'est déjà un des persos que Martial a fait. Hein. Lui, Jean-Eudes. Et ils vivent ensemble, je crois. Donc du coup, bah, elle fera ce qu'elle veut avec les deux, si elle veut. Je m'en fous. Voilà, Covid. Ah, ça y est. Oh là là, mon Dieu. Il est tout plein de plaques. Ah, t'es dégueulasse. Va te coucher. Chamallow, va te coucher. Il est 20h. Pendant que Copper se gaffe de pâte au fromage. En même temps, des pâtes au fromage. J'ai racheté de la raclette aujourd'hui. Oui, le Black et le Monsieur Cheveux Rose, ils sont ensemble avec une nana. Voilà. Tu déménages ou tu restes dans cette maison? Non, c'est Sakura qui va déménager. Je vais me débarrasser d'elle dès qu'elle est jeune adulte. Elle fera sa vie. Mais nous, on reste avec Chamallow. Et on reste ici, c'est ce que je disais au début. Avec la génération pêche, on déménage avec l'héritier. Donc, Chamallow va avoir des gosses ici. Et l'héritier de la génération d'après, on déménagera avec. Donc, faudra que je... Voilà. Et hop, zou, on accélère un peu le temps. Ouais, les autres, je les gère plus. Hein. Tu meurs quand? Oh, on a encore le temps. 92 jours! Oh là là! 149! C'est un dinosaure? Emanuela, c'est un dinosaure! Comment ça se fait qu'elle ait vécu autant de temps? Oh, quel gros dégueulasse! Voyons comment un Copper Rainbow se nourrit dans la nature. Il a pas déjà tout bouffé quand même? Il a déjà tout fini! Oh, c'est pas drôle, on peut pas avoir bouffé. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? On met partout de poivre, hein? Voilà, bien. Oui? Ah. Encore du poivre? Ça va être poivré, cette histoire. Ah, c'est... Alors, c'était coupé en morceaux, c'est redevenu en un seul morceau, maintenant. Je vous jure, un jour, ils vont me foutre le feu, j'aurais pas compris d'où ça vient. Vive les pâtes, j'en mange actuellement, pâtes au boursin. Ah, pas mal. Gentille petite femme qui fait en sorte que son mari soit jamais en rate de bouffe. Ouais. Bah, il a fait la pâtisserie pendant des années, c'était sa lubie, maintenant ça va. Il s'en fout. Allez, hop, on réaccélère.
No, Karenix, I will not buy it because EA will give it to me freely. It will be free for me because I am an EA game changer in France. So yes, I will get it, but I will not pay it. Yes. Yes, I know I am lucky. It's because all of my viewers and my subscribers on YouTube, so thanks to them. Et celui offert est pour moi, bien sûr, t'as raison. Malheureusement, je suis équitable, hein, c'est vraiment au pif. Hein. Bah ça pourrait tomber sur toi, pourquoi pas. Hein. C'est Ricardo, il remet les pieds dans le plat, pourquoi, on sait pas. What a beautiful accent. Yes, I know. Because I'm trying very hard to... Non, en vrai, je pourrais essayer de faire un plus bel accent. Mais je me trouve tellement pas crédible et je voudrais pas qu'on me dise « Oh putain, comment cela peint, comment elle parle ?» Donc je ne le fais pas. Et crois-moi que pendant des années, quand t'es au boulot et que tu dois parler anglais avec tes fournisseurs et que t'as tous les autres qui t'écoutent, t'as pas envie. Parce que tu sais très bien qu'on va te juger sur ton accent. Et c'est débile parce que si t'as un meilleur accent et si t'arrives à mieux parler et tout, bah c'est bien, c'est tant mieux en fait. Mais bon, apparemment, de toute façon, les gens aiment l'accent, les anglophones aiment l'accent français quand ils parlent anglais. Donc, tiens, Regain, t'as encore de la bouffe. Toute prête. C'est ta maman qui a préparé. Ils font tous de la bouffe tout le temps et ils foutent pas le feu. C'est merveilleux. That's marvelous. Merci Mohamed pour ton follow. Bienvenue à toi. And also because she's great. Oh, Erulune, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. C'est un truc français de se moquer de l'accent. Bah, c'est... J'en ai tellement gagné de fois. Bah écoutez, je sais pas encore quand, combien de temps je vais avoir à l'avance le truc pour le tester et faire des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à checker les vidéos que je vais poster parce qu'il y aura un lien pour le gagner. Ça maintenant, j'avantage mes abonnés. C'est souvent ce qu'on dit en France, ça se fait toujours charler sur notre accent, mais du coup les anglophones nous reconnaissent direct. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de faire un bel accent, tu vois? À part si t'es entre guillemets légitime parce que t'as vécu un ou deux ans en Angleterre ou aux États-Unis et que du coup t'as chopé vraiment l'accent et compagnie, et puis voilà, t'es légitime d'avoir un très bel accent. Mais que les autres, ben... Bah non, en fait, voilà. Parce que même si j'ai beau regarder pas mal de séries, de films, je pourrais essayer de mieux parler, mais en vrai, je le parle toute seule quand il n'y a pas de témoin, tu vois. Ricardo. Les partager quoi, Nishoko? Non, après, toujours un accent pourri de française. Ah ouais? Oh, mais je suis sûre que ça doit plaire. Ils aiment ça, alors que nous, quand on entend un anglais ou un américain parler français, c'est waouh, on est tout, voilà. Parce que c'est adorable. Mais nous, comment les gens peuvent aimer notre accent français en anglais? Je ne sais pas. C'est le Not So Shirley. Merci, Martial. J'ai appris l'anglais avec les séries, mais entre comprendre et parler, l'accent compliqué. Bah, moi, j'ai appris la base avec à l'école, comme voilà, comme d'habitude, comme d'hab. Mais j'étais pas très très douée, et puis je comprenais pas les temps, en fait. Comment on faisait un temps, comment on conjuguait, si tu veux. Et c'est à force de regarder des films et des séries que j'ai capté ça et que ben tout simplement, je me suis améliorée en fait. Maintenant, je le ressens. Je sens, je me dis, ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ce que je veux dire, ça c'est pas ce que je veux dire. Voilà, pendant ce temps-là, il fait sa méditation.
Salut Guillaume, comment tu vas? La famille, je partage à chaque fois mes familles sur le Notre Sobriété. Donc si tu veux, tu as déjà Copper avec les deux enfants, mais ils sont bambins. Et ils sont déjà dans la galerie. Et ben quand lui, il aura une femme et ses enfants, ben, je les partagerai. J'ai toutes les générations, je les ai partagées sur le Notre Sobriété. Il n'y a que la première génération du Legacy que j'ai zappé. Tu vois, madame, la modèle exemplaire est en train de jouer, c'est ça. Par contre, ça plaît assez bien quand les gens me comprennent. Oh, mais je suis sûre que tu dois... Non, mais après, c'est pas grave si t'as pas l'accent. Du moins que t'arrives à te faire comprendre, tu vois. Moi, je galère, il y a quand même des mots que je ne connais pas. Mais j'arrive quand même à me faire comprendre, en fait. Si je me dis, ah, je ne sais pas ce que c'est ce mot, je pense que c'en est un autre. Mais qu'est-ce que je fais? J'essaye de te faire comprendre autrement que le mot qui me manque, parce que ben, je l'ai pas, ce mot-là. Je sais pas si ça va marcher. Alors, tu as quoi là-dedans? T'avais des racines de tarot, des épinards. On a mis les épinards? Tomates, tarot, plants d'épinards. Oui, on a déjà mis. Ok. Ah oui, il nous... Ouais, non, c'est... je confonds, mais c'était... On cherchait les fruits avec Copper, mais maintenant on s'en fout. Est-ce qu'on n'irait pas... Ah, il y a du courrier. Prends le courrier. On a peut-être des cartes postales. Ouf. Oui, on en a 4, dont 2 de Twinbrook. Ok, ça nous en fait 4. On a Bridgeport, Twinbrook et Alapalu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 pal
Pollo à la brasa. Mmh. Pomme de terre ronde des champs. Ça, j'ai envie de goûter un jour. Je vais avoir un nouveau voisin à côté. En location. C'est pas un achat. Mais c'est un mec qui veut venir habiter à côté de chez moi. Voilà. Tu le pourras croiser. J'ai juste entendu sa voix. J'ai compris que c'était... Mais qu'est-ce que c'est ça ? Quand je vous dis qu'il y a des gens random qui viennent chez moi, là, qu'est-ce que c'est que ça ? T'es moche ! Ah là là, on dirait une tête de cheval ! Pourtant, les chevaux, c'est beau, hein. Dégage ! Mais fous le camp, mais sérieusement ! Qu'est-ce que tu viens de plaindre à mon héritier, là ? Dégage, là ! Gros lard. Dis donc. Bref. Je sais pas, jeune, j'ai entendu une voix, sais-tu. Salut Sino, comment tu vas? Oui, il y a des tomates, mais on a aussi des tomates dans un autre... avec un autre pack. À la place de qui? Bah celle qui est partie... qui est partie il y a pas longtemps. Il est bordel. Tu veux savoir de quoi? Je vais me faire la collection en passant par ton lien. Non, non, mais après, c'est peut-être pas tout de suite, Alex, peut-être qu'il passe par une vérification, tu sais, c'est possible. Hein. Mais normalement, il y a la notif comme un don, en fait, qui apparaît sur le live. On va voir, hein, ça va peut-être passer. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être plus tard. C'est pas grave. On dirait Hagrid dans Harry Potter, mais en plus laid. Hagrid, c'est pas celui qui a des beaucoup de cheveux bouclés? Et voilà, niveau 5 écriture. Oh, il a cramé l'ordi. Il a trop travaillé. Alors, du coup, est-ce qu'on rachète des trucs? Est-ce que vous voulez qu'on rachète des graines? Ou alors, tout simplement, on se déplace pour choper des graines, pour faire son jardin? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, c'est lui. Ah, tu veux savoir son... Bah, je le sais pas, moi, j'ai juste entendu un mec. J'en sais rien, je connais pas. Tiens, tu vas me faire un petit pipi. Discuter dans ma carte postale. C'est déjà plus qu'on a. Twinbrook, Appaloosa, Bridgeport. Faut que je me le note. Hein. Je vais le noter parce que je vais oublier. En plus, d'ici la semaine prochaine. Alors. Là, il y a de la place sur mon carnet. Carte postale. Twinbrook. Ensuite, j'ai déjà oublié. Appaloosa Plain. Putain, je commence... Alors c'est un A et je commence par P. Parce que comme il y a deux P, je dis A, il y a deux P. Donc du coup, j'écris un P au lieu d'un A. Tout va bien. Appaloosa. Ok. Ah, pardon, petit micro. Bridgeport. Ok. Mais je crois qu'il n'y a pas un truc genre on doit attendre de l'avoir avant d'en redemander une ou une connerie comme ça. Une carte postale de cette vallée. Hey. On se déplace. D'accord. On va aller à Willow Creek. Quand tu sauras, tu me diras. Mais je vais pas aller taper chez lui en disant « Oh, alors, questionnaire !» Peut-être que je vais jamais le croiser, tu sais, il y en a, je les vois jamais, hein. Il y en a, je ne les vois pas. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des... En vrai, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans notre immeuble. Surtout au niveau d'achat, en propriétaire, on est une majorité de meufs. C'est vrai, hein, c'est pas une connerie. Hein. On va aller ici. Voilà, on va aller là où il n'y a personne, c'est très bien. Le QCM. Alors... nom, prénom, âge, taille, poids, salaire, travail, loisirs, fume ou fume pas, t'aimes les pizzas, t'aimes les chats, t'aimes les chiens. Oh, pas non. Alors, il faut qu'on soit de la bonne... comment ça s'appelle? Bonne saison. Je sais que normalement, il y a un jardin...
C'est p... Non, attendez. C'est pas... C'est où qu'il y a un espèce de jardin? Ah, c'est pas là. Je me suis trompée de quartier, c'est ça? Si, c'est là! Ouais. Des rosiers. Préparer un échantillon pour microscope. Ouais, mais c'est pas de saison, tu vois. Automne et printemps. Ah, si. Donc, il faudrait qu'il reste là un petit moment et qu'il puisse choper des rosiers. Du mufflier. Bon, ça, le mufflier, à la limite, ça passe. Fleur de lys. On est sur le rosier aussi. Ouais, les arbres, on va pas le faire. On va pas faire les arbres. Parce que c'est trop grand. On n'a pas assez de place pour... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une abeille. Je croyais que c'était une araignée. Bleh. Un petit souci, là, non? Pourquoi il y a juste une lumière qui se balade comme ça? C'est une orbe. Orbe fantomatique. Orbe fantomatique. Je l'ai vu. Et ça, c'est fleur de mufflier. Fraisier, printemps. Oh, comment il est taillé comme un cure-dent, ce mec. Tu es un cure-dent. Regardez comment il est maigre. On dirait que j'ai compressé l'image, quoi. Non, non, il est égolé comme ça. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Putain. Orbe fantomatique. C'est au festival de l'armoire? De l'armoire? On va aller voir le festival de l'armoire. C'est quand le festival de l'armoire? Oh! Ah non madame, faut pas vous reproduire là, vous êtes déjà trop moche. Vous avez bien vu les saletés que vous nous avez déjà pondues là. C'est pas possible hein, de vous reproduire encore. Hein. Ah mon dieu. Pauvre pays. Oui, j'ai vu une orbe. Attendez. C'est où l'orbe? C'est là. Là, regarde, il y a une orbe. Elle bouge pas, mais c'est une orbe fantomatique. Orbe fantomatique. En ce temps-là, Chamallow se prend la flotte. Non, parle pas à cette mocheté et tu vas attraper son... Sa mocheté. Qu'est-ce que tu nous vends, toi? Des bons petits bretzels, des hamburgers, du café, des Monte Cristo, des frites? Et on peut manger les frites? Comment on a mangé? Pizza au fromage, salade, cupcake à la carotte, crumble aux fruits, soupe de courge musquée, petit pain au homard. Moi, je veux les frites, là. Vous m'avez mis des... Regarde, et là, ils mettent du hot dog. Ils vendent pas de hot dog. Il y a des bretzels. Ils vendent pas de bretzels. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quelle arnaque. Ah non, je suis pas contente, là. Moi, je voulais des frites. Viens ici, Jean-Claude. De toute façon, on va mettre 10 ans avant que ça, de pouvoir récupérer quoi que ce soit, donc... Il peut pas encore prendre de boutures. S'il se prend de la flotte, il va fondre. Ah bon, tu penses? Tu es prête pour la chasse aux fantômes pour le prochain kit? Ben, je me suis entraînée hier soir. Tout ce que tu vends en vitrine, rien de ce que tu auras à la vente. C'est ça. C'est exactement ça. On n'en parlait pas l'autre jour de cette histoire-là, je sais plus pourquoi. C'était en fonction d'un commentaire, non? J'ai dit, c'est comme si t'as d'ailleurs un magasin et qu'on te disait, bah non, c'est à côté si vous voulez acheter ça. Hein? Je sais plus. Phasmo ou Edgar après Edgar. Peut-être. Ça dépend quelle heure on finit. On est à combien là? 39 minutes, on se fait chier. C'était à cause de Amazon Prime. C'était à cause d'Amazon Prime, tout à fait. Allez, on rentre. De toute façon, ça sert à rien, j'achèterai des graines. J'ai essayé, hein, les enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut 10 ans et demi pour avoir une pousse d'un truc, d'une fleur. Pfff.
Ouais, c'est vrai que c'est à cause d'Amazon Prime qui te dit « Hey, regardez, il y a cette série-là que vous pouvez regarder. » Puis quand tu veux regarder la saison 1, ils te disent « Oh non, c'est pas dispo. » Toi, casse-toi. L'ordi, il est bloqué que pour lui. Casse-toi. Pas possible, cette histoire. Et merci, Kiminams, pour ton follow et bienvenue à toi. Alors, on va acheter. Du coup, on va faire RP. On va aller voir commander des graines. Des fleurs pour débutants. Des fleurs, c'est bien légumes. Des plantes magiques. Ça, on fera un bac à fleurs, un bac à légumes. Oh, les marguerites. Allez, on va faire deux marguerites. Touc. Et des jacinthes. J'aurais préféré avoir des rosiers, mais bon. Casse les noix un peu, toi. Eh ben, va planter ça. Ouais, on va faire l'anniversaire. Il clignote. Maman. Non, papa. Ce papa, c'est le pro de la pâtisserie. Papa, tu viens faire des gâtales à tes enfants? Cuisiner. Gâteau chocolat. Cuisiner. Gâteau blanc. Allez. Ah non, gâteau rose! Attends. Je crois que je ne l'avais pas, je crois. Cuisiner. C'est la génération rose. Si, gâteau fraise. Ils étaient en train de se faire des mamours ou quoi? J'ai cru. Ils étaient en train de se faire des trucs là. Tristesse partagée. Bah, elle est contente, elle fait des saletés. Bah mes plantes, elles ont des pop. Mais c'est merveilleux. Il y a un problème avec le jardinage. Donc ça va être cool pour cette génération. C'est que si en plus le jardinage est bugué, on va bien avancer. Bientôt les 2000. On a encore un peu de temps. Charlie Rashkit Willow Creek. Mais non, mais c'est parce que c'est super long quand tu veux que ça pousse. En fait, si, tant que ton Sims il peut pas faire bouture, ben c'est mort. Tu peux attendre trop longtemps en fait. Bon app, Guillaume. Ah ouais, le gâtal rose. Le gâtal rose. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah bah t'as payé alors, ils seront pas. Ah bah c'est pas grave. On va faire une fête d'anniversaire. Sans les parents. Sakura ne... Non, oui, c'est vrai qu'elle a été décalée, elle. Ah, il aura les manières, la responsabilité. C'est bien. Oh, j'aimerais bien... J'arrive pas à faire ça, hein, je suis trop lourde. J'ai l'impression qu'il va plus vite quand il est en méditation, non? Ça, je suis incapable de le faire, parce que si moi j'ai des... J'ai pas offert. Alors, tu veux inviter? Tu veux inviter des gens? Oh, bichon, viens là. Tu veux inviter. Il est 1h du mat. On va faire un événement social. À 1h du mat. On va inviter tata, tonton, tutu, titi, toutou. On aime ce bug toujours pas réglé avec les plantes. Quand tu passes par le téléphone pour acheter cadeau, il y a les paquets de graines par saison aussi. Ah, d'accord, je vais en racheter. Alors, fête d'anniversaire. Nous fêtons l'anniversaire de ces deux jeunes gens. Nous allons inviter Autumn, Sunset et Fox. Ah, il est beau avec son chapeau, lui. Ah, il est beau.
Il est beau, il est beau. Bah lui, pourquoi pas aller. On connaît pas les... Vous avez remarqué qu'on peut même pas inviter nos propres parents. C'est triste, hein. Résidence notre Shirley. Ok. Oh là là là, oh là là. Mais qu'il est beau avec sa veste de... Je ne sais quoi dire. Oh, sœur jumelle, comment vas-tu, poil au flux? Incroyable. Ils ont pas de musique, eux aussi? Non, ils ont pas... On n'a pas de musique dans cette maison? Ça ne va pas du tout. Pendant qu'il sort son petit bitonio, nous, on va mettre de la musique. 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 Nénéné. Oh, les enceintes en rose. Alors, est-ce qu'on va les mettre? Aïe, 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 c'est trop gros, je peux pas. C'est trop gros, j'ai pas de place. Ouais, c'est bien. De la musique. Alors, allumé. Disco moderne. C'était quoi ce bruit? Quel est le fuc? Ah, c'est elle! Malade mentale! Voilà, merci d'être là. Parle du temps nuage. Je fais un de ces bons, moi, l'autre qui tapait dans la poubelle, je m'y attendais pas. On a reçu. Toujours rien. A plus de choix, discuter. 31 correspondants. Oui, c'est son anniversaire. Oh, oh, oh! Sunset! Elle a un paquet surprise! Oh bah dis donc! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Écrire une lettre A. Lucky Pams. Sunset! Je me souviens plus, hein, si c'était Autumn ou Sunset qui avait déjà un gosse dans le... dans la brioche. Coucou Benner, comment tu vas? Je pensais qu'on était mardi, Ben, non. On est mercredi. Est-ce que t'es si pote que ça avec lui? Tu le connais à peine? Bon, et lui, il a un crush sur Chamallow, c'est pas possible. Hein. Tu peux le lâcher ou comment ça se passe? Ouais, on va te remercier. On va aller voir les tatas, tonton, titu, titi, toutou. Alors, Sakura? Hello, boo. Elle a l'air vachement emballée. Hein. Bon allez mon petit, tu vas souffler tes bousailles. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau avec sa veste. Oh, il a beaucoup de choses à faire avant de souffler ses bougies. On a le temps. Oh bichette. Il sent bon hein, c'est... Ah. J'ai oublié tous nos héritiers là qui sont beaux tous. Il y en a qu'une qui est pas dans le même décor, c'est Lila. C'était son mariage. Je suis prête hein, pour faire la photo. Ah, attends! Tu vas pas souffler d'aussi loin, si? Non. Pas que je loupe l'instant où il va souffler, hein, ce sera pour la miniature.
Sunset, la grossesse, elle est shootée. Non, toujours pas. Oh. Il a pas les globes oculaires comme dans Phasmo. Oui, this time, notre héritier va devenir un jeune homme. Oh là 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 là, attendez, je descends. Ouais, ça va être compliqué. Ah, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre le plumbob sur elle. Clac. It is time, it is time. Faire une belle photo. Je vais devoir flouter, enlever des trucs, là, des mains et tout, parce que ça va être moche. Oui! Happy birthday, Chamallow! Happy birthday, Chamallow! Pourquoi tu voles là-haut, Chamallow? Happy bon birthday, anniversaire, Cham Cham! Chamallow! Allez, on fait bisous. On fait la bise. Alors, Cham Cham est devenu jeune adulte. Son dernier trait doit être... Alors, nous avons créatif et soigné. Il doit être froid. Ce qui en soi, ça passe quand tu les... Quand on... C'est nous-mêmes qui les faisons, qui les dirigeons, ça passe. C'est vrai que quand c'est quelqu'un d'autre, c'est chiant. Mais quand on les dirige, ça peut aller. Allez, remets les boujax. Ah mince! Mets les bouchax. Pas de bise si est Covid. Ah oui, oh, c'est un Sims. Vite avant que quelqu'un tape dedans. C'est pas drôle sinon. Ah, et Sakura, tu peux venir souffler les bougies. S'il te plaît. Elle, on s'en fout, le mitraillin très random. Chamallow, nouvelle génération, tout à fait. Il est encore plus beau. Happy birthday Sakura, t'as pas été si bonne que ça. Allez les questions, tu es nulle Sakura. Alors, et elle sera 1 et 2 et 3 solitaires. Bon, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Elle est quasiment aussi jeune que ses... Ah non, elles sont adultes quand même. Et Fox, il a quel âge? Il est adulte aussi, ça va. Ouais, et ça a pas tardé à taper dans le gâtal, hein. Comme quoi, j'ai eu de la chance. Bon, bah Sakura va pouvoir dégager. C'est des faux gémeaux, ouais. Bah en fait, il fallait absolument des jumeaux pour la génération rose. Et quand la mère est tombée enceinte, on a checké avec le MCC. C'était un garçon. Donc, après j'ai fait voter dans le chat pour savoir si on faisait double garçon ou garçon-fille ou double fille. Mais si c'était double fille, ils étaient obligés de donner des subs. Et finalement, c'est garçon-fille qui a gagné. Pour un tchak, et c'est le garçon qui a gagné à l'élection. Donc, voilà. J'ai pas regardé si elle clignotait, mais de toute façon, avant, oui, parce que même si elle avait bugué pour grandir en tant qu'enfant. On va pouvoir relooker le petit, ça va être bien. Ah oui, puis il va se lancer dans la carrière acteur. Affaire, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Carrière affaire, et on s'en fout. On est d'accord qu'on s'en fiche. Ouais. Une fois adulte, il quittera cette carrière-là, donc on s'en fiche, j'arrive au niveau 10 dans la carrière à faire. On va le faire monter un petit peu, histoire d'avoir un peu plus de thunes, mais ce sera pas non plus... Voilà, à faire. C'est bien tout ça. C'est bien, c'est beau. Il doit remplir des rapports. Sexuels. Il est 6h du mat. Oh. Ah oui. Alors il y a... Et j'ai pas du tout fait en sorte que les...
Les Sims se jouent en même temps. Fais en sorte que des joueurs en même temps. Préparer des boissons. Bon, on va avoir une médaille de merde hein, au niveau de l'anniversaire. C'est pas bien grave. On s'en fout. Va te coucher parce qu'après tu vas être décalé. Ta soeur, on s'en fout. Elle va se barrer. Elle veut pas déménager tout de suite avec lui. Comme ça au moins c'est fait. Vas-y. Ah oui, il est adolescent. Ah bah ils peuvent pas aménager ensemble en fait. Parce qu'il a un look d'adulte, mais c'est un ado. Ce qui est pas logique. Froid et solitaire, ce sont pas des jumeaux pour rien, c'est ça. Ouais, elle, c'était au pif. Hein. Le lapin tueur. Oh, sa gueule. Ouais, je suis fascinée par ce qui se passe à la télé, là. Lui, il va se faire pousser dans la... Même pas. Ah si, il a sauté? Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait de l'eau, moi il n'y avait pas d'eau. Et merci Anaïs pour ton follow, bienvenue à toi. Voilà, c'est magnifique. Ah c'est vrai que les vieux sont revenus. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Un gâteau, c'est trop tard. Copper, c'est trop tard, ça y est, ils ont déjà mangé le gâteau, ils ont déjà fêté leur anniversaire. Oui, je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Elle connaît même pas Fox. Partager la théorie du complot. Voilà, médaille de bronze. C'était l'excuse pour inviter à la famille. Hein. Pour pas qu'ils fêtent l'anniversaire tout seul. Hein. Voilà, mais toi, va te coucher, Cop-Cop. Sacré Cop-Cop. Et salut, Anaïs. Ce film mérite un Oscar, mais t'as vu, hein, c'était un jeu d'acteur incroyable. Ah, il y a un mec qui court tout nu. Le beer pong. Qu'est-ce qu'on lui fait faire comme carrière à Sakura où elle se démerde? Elle se démerde, hein. Faudrait que tu fasses venir ton mec. Après, tu venir ce que tu veux, je m'en fous. T'en as deux là qui ont l'air d'être intéressés à toi. Tu vas nous faire des petits threesome là, ça va être beau. Tu peux relever la poubelle aussi, s'il te plaît. Discuter des changements dans le quartier. Tu peux pas partir avec lui? Bah non, c'est un ado. Bon, il va grandir prématurément lui, hein. Ouais, ça va, allez, on est à 13 sur 13, on n'est pas à ça près. Commande du Sims, anniversaire, jeune adulte. Là, voilà, allez, c'est parti, illuminer la journée. Amour, embrasser. Partager des astuces. Voilà, demander à rejoindre le foyer. Ça, c'est fait. On va être tranquille. Sakura va déménager. Tu peux pas faire venir le petit gars de Sakura via le gâteau de Cop-Cop. Bon non, regarde, avec le MCC, c'est fait. Hein. Allez hop, dégage de là. Ah. Oh, merci Steph Mas pour le follow, l'abonnement YouTube. Ouais, enfin bon, bref. Oh non, ça m'énerve quand ça me fait voyager dans le... Je n'en veux pas. Je ne veux pas aller dans l'autre foyer, je veux rester dans le foyer actif. Ne vous inquiétez pas. On va rectifier ça tout de suite. Elle se démerde. Bah, bien sûr qu'elle se démerde. Ah, oh, c'est gentil, Anaïs. Merci beaucoup. Et salut, Uncle. Ah non, mais... Quel look. Superbe. Rien à dire. J'adore. On va enregistrer. Et on va repartir. Parce qu'on s'en fout d'eux, hein. Ils font leur vie, hein. Gérer les mondes, sauvegarder, gérer les mondes. Ah bah d'accord, moi je pense au gâteau, mais en fait il y a MCC. Ah oui, non, mais le MCC fait énormément de choses, hein. C'est vraiment très facile de jouer avec.
c'est vraiment, il fait vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant de l'avoir. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose de très lourd. Hein. Il fait 1 mégaoctet. Je veux dire, sur ton PC, ça passe quoi. T'as vu ça, elle a un bonnet de toute beauté. Voilà, on retrouve notre petite famille. Qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Adieu Sakura. Ah, il dansait ? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était en train de convulser, le pauvre. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Surfer sur le web, si tu veux. Tu peux, tac, discuter, consulter les réponses. Faut avancer quand même un peu. Little Haven, j'ai reçu aussi une demande d'amis, mais c'est trop super. Écrire une lettre à Lucky Pams et à Little Haven. Je vais attendre qu'il la fasse. Hop. J'étais à la planche rouge pour placer les objets, j'arrive pas à l'utiliser. Mais tu sais, moi non plus, on n'y est rien. J'ai fait la grande sur la vidéo, là, mais en vrai, je suis pas la meilleure hein, pour ça. Mais... Il n'y a rien à configurer, Misioko. En vrai, enfin, sauf si ton intérêt, le premier intérêt, c'est que les Sims fassent leur vie derrière, tu n'as rien à faire. Tu n'as vraiment rien à faire. C'est grave si des fois j'ai l'impression d'entendre du bruit dans mon canapé. Vous pouvez me le dire. Je saurais que je suis bizarre. Mais après, bah, c'est des petits trucs. Moi, j'ai même pas réussi à tout voir ce qu'on pouvait faire avec. Tellement, il y a beaucoup de choses. C'est facile, ouais. C'est cela, oui. Ma santé mentale est à 0%, Martial. Ah mais, c'est une blague, il avait fait... Ah mais oui, je suis con, Copper, il avait fait le gâteau, parce que en fait, il avait gardé l'action, c'est pour ça que quand il est rentré, il a fait tout de suite ça. Je suis un peu stupide sur les morts. Ce que je veux dire, il a fait un gâteau rose, le hasard comme par hasard, mais en fait, sinon, c'était normal. La seule chose que j'aimerais modifier avec mon MCC, ce sont les mariages aléatoires. Ça me prend vite la tête, je sais pas comment le modifier. Ah bah, c'est l'intérêt même du MCC, mais... Après, si tu t'occupes plus des autres familles, c'est pas bien grave, tu vois. Ou alors, tu peux configurer le fait qu'ils fassent des enfants seulement s'ils sont mariés. Ça éviterait que les hommes répandent leur semence un peu partout. Parce que crois-moi que... Il y en a, ils aiment ça, se répandre. Allez, prends une douche, bichon. Bah. Ouais, la meuf, elle est à peine partie de la maison. Non, 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 moi, je veux revenir. C'était beaucoup mieux à la maison avec les parents. Alors, touc, 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 discuter... correspondant. Je sais pas combien il y en a. J'en ai regardé une fois, mais... T'aurais pu pisser sous la douche, quand même, hein, je dis ça, mais... Et tu vas... remplir des rapports pour ton boulot. Voilà, comme ça, il s'améliore. Bien-être écriture, on est à 5. Momo Hiro, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Je l'avais remis parce qu'il était plus à jour et depuis j'ai oublié de le remettre. Ouais, après il faut rester connected. Des petites pilulules. Des petites pilulules. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Molubulule. On est grave quand même. J'ai enfin pu trouver le problème du MCC qui ne fonctionnait pas suite de démarrer une nouvelle partie. Quel cliché. Ah bon?
Il faisait quoi? Tiens, tu vas reprendre un... Ouais, je lui change sa petite chambre à... Ah, je dirais Pulcote. C'est pas Pulcote. Oula, 1, 5, 6, 7, 8. Chiffres, remplis des rapports. Les chiffres, ils forment un dessin. C'est magnifique. Ok. C'est un peu le bordel dans cette maison, non? Je sais pas, je crois que c'est un peu le bordel, mais je suis pas sûre. Quand est-ce qu'on aura un expansion pack avec parc d'attraction? Tant qu'ils le font pas avec Disney, moi ça va. Tu vas me faire une petite sieste? Non, il est 15h. Ouais, une petite sieste, si vous voulez faire une sieste. Après, tu feras de la méditation. Tout, 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 tout. Oh, ça, je vais le jeter avant que ça me fasse des plantes. Voilà. La méditation selon Cham, 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 allô. 14. Ah oui. On en a 3. Parce qu'il y en a une en double. Je vais en vendre une parce que comme ça, ça me perturbera moins. On en a 3. Le chemin va être long. Agrandit la chambre, le pauvre. Ah ouais, bah on verra. Après, il va prendre la chambre des parents. Ça y est, il vole. Ça y est, il vole. Il a atteint un niveau de sérénité incroyable. Waouh. Tu sais que ta grand-mère, elle volait aussi. Elle avait aussi développé la méditation et elle volait. C'est bien le petit-fils à sa mamie. Waouh. Voilà. Même pas, elle a fait waouh. J'ai un quart de la collection. Merci Elisa pour ces maths incroyables. Je suis nouvelle dans les Sims 4, du coup je me suis téléchargée MCC avec ta vidéo, mais rien n'y faisait sans ouvrir une nouvelle partie que Miracle Opera. Ah bon, c'est bizarre. Ah, sur PC? Parce que moi je ferais rarement des nouvelles parties, tout. Mais bon, tant mieux hein, si t'as trouvé pour le débloquer. C'est beau, hein, c'est zen. Hein. On le regarde et on respire. Si vous aussi vous faites de la méditation et que vous volez, n'hésitez pas à nous adresser un message. Non, Elisa, j'ai une partie pour chaque challenge. Oh, non, c'est pas possible. T'imagines, tu croiserais Chamallow avec ses cheveux roses en plein Lord and Lady? Eh ben, impossible! Là, je suis en mode CC. Ah oui. Allez, c'est dès que tu tombes dedans. C'est quand même très cool d'avoir les CC. Bon, après, moi, je l'utilise pas beaucoup, hein, vous le savez. Je les utilise pour le Lord and Lady parce que c'est un médiéval et qu'on n'a pas beaucoup de contenu comme ça, ce qui est normal en même temps. Hein, voilà. Pourquoi ils nous feraient un pack médiéval? Ça n'aurait juste pas de sens, à part s'ils font un truc... Vraiment genre parc d'attraction historique où là effectivement ils développeraient des tenues qui pourraient correspondre à un challenge historique, mais ce serait très 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 critiqué. Donc heureusement qu'il y a les CC. Ça serait marrant, bah non. On demanderait ce qu'il s'est fait à sa tête. Il le prendrait pour un démon là avec son rose fluo là, tu rigoles ou quoi? Un démon! Il kiffe, hein. Il a eu peur que vite fait 2 secondes, là, il s'est dit « Oui, bon, oh, oui, je suis vol, oh, ouais, mais maintenant je vole plus. » Allez, c'est l'heure de la pub.
Martial a décidé que vous autres pauvres petits viewers allez regarder la pub. Donc bien sûr, je vous remercie d'avance ceux qui auront la pub. Vous inquiétez pas, je pense pas que vous raterez grand chose en vrai. Donc je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Je suis en train de faire la tronche en fait. Vous m'avez pas dit que je faisais la tronche. Accélère un peu, hein, la cadence. Hein. Ah, il a guéri de son rhume. J'ai entendu vos doléances. C'est vrai qu'il a vraiment une chambre de merde. Qu'est-ce qu'il y a comme rose? Pam 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 pam, magnifique, on va mettre ça. Ah là là là. Et dire que quand on était avec Pulco, je voulais plus ce jaune criard dégueulasse, donc on était parti sur des couleurs un peu plus normales. Puis là, on est retourné dans les travers des couleurs, quoi. Du coup, ça, on va le transformer un peu. Le problème, c'est que pêche, ça n'existe pas. Ils ont pas pêche dans les Sims. Est-ce qu'ils ont de la moquette? Ah, ça, c'est de la moquette pêche. Allez. Non. Mais ça existe pas, pêche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, pêche? Couleur pêche. Ah, si, ça. Ça. Oui, je prépare déjà pour la prochaine. C'est immonde. C'est immonde. Ouais. Voilà. Voilà, il aura un lit de place. Il pourra ramener des conquêtes. Ouais, vite fait, bah... C'est orange, hein, on est d'accord, hein, mais il n'y a pas pêche, hein, ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi ils ont pondu pêche quand ils ont créé le challenge, les meufs, là, mais... Voilà. Après, il va aller se coucher. Il aura sa première journée de boulot. J'ai fait une nursery couleur pêche si tu veux. Wow. Et du coup, pêche, on va se retrouver avec du orange clair mixé à du jaune clair. Bah ouais, à peu près. C'est pas terrible. Hein. Salut Lika, comment tu vas? Qui est l'héritier du coup? Bah, Sweet Sun. Quand même. Ça se voit? Tu peux pas changer de couleur pour mettre une qui n'existe pas dans le challenge. Bah, je vais suivre les règles, tu vois. Un peu bon, pêche, voilà. Mais je sais pas où elles ont trouvé le pêche dans le... En vrai, moi, je vais mettre orange parce que ça correspond, tu vois. Une pêche, c'est orange, en fait, un peu, quand même. Ça se rapproche plus d'orange qu'autre chose, mais... On va accélérer un peu. Bichette, là, qu'est-ce qu'il fait? On va le faire arriver niveau 6, tranquillement. Ça c'est bien, il pourra après se coucher. Il a entamé sa première journée de taf. Oh, qu'est-ce que t'es beau, Jon Snow. Merci beaucoup, Angel, pour ton sub. Merci énormément. Je te fais un gros bisou et
et un smiley boule, merci beaucoup pour le soutien. Ah, et puis grâce à toi, on a vu le beau John quand même. Encore, my king. Forever. Je vais mettre, faut que je mette un gif de Daenerys. Je pense que je vais être obligée. Parce que Dany, quoi. Parce que c'est ma reine à moi d'amour. Ils sont partis bosser? Ok. Discuter, consulter les réponses. Vas-y, viens discuter, viens checker. C'est effrayant. Mon nouveau correspondant est de Midnight Hollow. Hello, Smith. Écrire une lettre à Midnight Hollow. Est-ce que tu peux demander une carte postale? Je sais plus. Lucky Palms. Allez. Discuter. Trois correspondants. Winter is here même, je dirais, Small Soldier. On y est toujours. On est déjà. Salut, Ombre Queen, comment tu vas? Oh, Alexa, comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Et coucou, Angel, du coup. Merci beaucoup. Bah oui, regardez, une pêche, c'est orange. Quand même. Bon, et eh ben voilà. Il reste Alexa. Un petit bout de gâteau. Allez, mange un peu de gâtal. Puis t'iras te coucher après. Et on va mettre les éclairages automatiques. Ah! Oh! J'avais oublié qu'il y avait les guirlandes. C'était la, pauvre, la déco du pauvre. Ah oui, elle... Ah oui. Bon. Est-ce qu'on lui mettrait pas... un petit miroir. J'ai pas le move object should activate. Ah, il y a Rose. Perfect. Oh, une commode. Petite commode. Je sais pas, la chambre elle est petite. Hein. Fais voir ce que t'as en rose, toi. En rose. En rose et noir. En rose. Non, c'est, ça reste trop petit. Bon, bah, il aura pas de commode. En même temps, il met toujours les mêmes fringues. Bon, bah, va te coucher, ma biquette. Vas-y. Dans ton nouveau lit. Triangle, on s'en fout. Ça va bien, j'ai repris le taf à l'EHPAD, je bosse de nuit. Oula! Tu bosses de quelle heure à quelle heure du coup? C'est pas trop difficile. Il a déjà... D'accord, il est déjà pompé l'up. Hop, ok. Et alors, tout a pourri ici. Non, il reste du gâtal ici, tu vas me prendre ça. Première journée de taf pour Cham Cham. Quelle horreur. Je le plains, ce stress du premier jour. Je m'en veux quand même, des fois, de pas m'occuper des autres. C'est la première fois. Mais non, mais il se gère bien, je trouve. Regardez, il meurt pas de faim, il meurt pas de soif. Vas-y. Ah, trop tard, il va taffer. Oh ouais. Oh la vache, c'est moche. Oh, ce style. Oh, des épinards. Ah oui, on est en hiver, c'est pour ça qu'elles ont des pop, les trucs que j'avais pas capté, moi. Travailler dur. Bon bah voilà, il fait déjà travailler dur, on va mettre un accéléré. Ah, va voir s'il gère plutôt bien ou pas. Ah bah t'as bien ça, t'as bientôt fini on va dire Angel pour le décalcé, il est... j'ai continué histoire 2 tu vois mais en vrai... Alors c'est l'anniversaire du patron, est-ce qu'on commande un cadal sur internet ou est-ce qu'on lui fabrique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Non, non, il n'a pas mangé du gâteau pourri. Non, non, il y a un gâteau qui n'était pas pourri. C'est celui devant lui qui l'était, mais pas celui qu'il a pris. Ah non, je nettoie rien. Ils font ce qu'ils veulent. Deux voix pour fabriquer. 20h, 7h, 20h45, 7h45. Ouais, ouais, quand même. Ah merde, Alexa, pourquoi il fallait rester zen avec le banquier? Ou alors change de banque. Hein. Trois voix pour fabriquer. 5, 6. Bon, bah, c'est un full fabriqué. On va lui fabriquer. Alors, gain de performance moyen. Ouais, pas mal, hein. Non, regarde, t'as vu? Même cop-cop. Si le gâteau, il est pourri. Ça y est, il est pourri, celui-là. Et alors, 1253 de facture. Ça va, c'est pas trop cher. Hein. Toi, pendant que t'es... Attends. Ah oui, c'est vrai que la boîte aux lettres, elle est là. Tu payes les factures. Font leur vie, hein. Moi, je les oblige en rien. Font leur vie, les vieux. Non, non, ouais, mais il y avait deux gâteaux et j'ai bien pris celui qui était pas pourri. Et re Guillaume. Casser les toilettes. Tu vois, regarde. Elle fait même le ménage, elle fait ménage elle-même et elle nettoie même la baignoire. Alors, j'ai rien demandé, moi. Ils font ce qu'ils font ça bien. Donc, c'est bien. Oh, promotion. Promotion canapé pour notre ami Cham 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 Chamalo. Oui, premier jour, promotion directe. Il a tellement été incroyable qu'ils l'ont promu. Il gagnera 20 simflouz dollars au total. Récemment reçu bonus 130 simflouz, une plaque de bureau, des nouveaux vêtements et interaction se moquer des gorilles de l'entreprise. Bah c'est du propre ça mon Jean Claudius. Tiens, tu vas prendre le courrier. On aura peut-être une carte postale. Et tu vas aller regarder la travail. Non mais Sakura, commence pas. Tu viens à peine de déménager. T'as passé une nuit hein, dehors de la maison, ça y est. Ah mon frère, tu me manques. Bon, ils ont grandi dans le même utérus. Je peux comprendre. Oui, carte postale. Oh, nous avons Moon Knight Falls. Oh, ça c'est bien ça. Moon Knight Falls. Moonlight. Moon Knight, n'importe quoi. Moon... Light Falls. Ah putain, j'arrête pas de taper dans le micro. Lucky Palms. Lucky Palms. Et là, j'en ai 5. Sunset Valley 2. Voilà. Celle-là, je peux la vendre. Clac. Pourquoi ils se mettent pas dans le lot? Pourquoi là j'en ai 4? Je comprends pas. Ah, parce que c'est commune et après elles sont moins communes. Commune, bah si, commune et commune. Bon, ils veulent pas se mettre avec les autres. Bon. Écoutez, pourquoi pas? Moi je sais pas. Discuter. Union des gourmands, super. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes postales. Sur 14, nous sommes presque à la moitié. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Julien Tirion. Bah ouais, on t'a pas demandé de venir, hein. Casse-toi, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh. Il a beau s'appeler comme mon chat. J'ai même vu. Salut, Ludy, comment tu vas? Et salut, Axaba, comment vas-tu? Du coup, tu me redis, c'est moins drôle, tu m'en graves. Bah ouais, tu m'étonnes, bah ouais. Ça a l'air d'avoir des Sims un peu dégourdis. Oh bah, voilà, d'habitude, je m'en occupe tout le temps, mais là, je suis pas, j'ai la flemme avec cette génération, ils se démerdent. Ils font leur vie. J'ai pas envie. Bah là, il est stressé à cause du taf, donc je le fais jouer, mais c'est pas forcément ça qui... Tu vas écrire une lettre à Midnight Hollow. Attends.
écrire une lettre à Dragon Valley. Oh, je veux y aller à Dragon Valley. Par ma barbe, mon nouveau correspondant habite à Dragon Valley. Mais t'as pas de barbe. Incroyable. Je veux y aller, moi, Dragon Valley. Non, pas encore, sinon. Oh, on fera ça la semaine prochaine. J'attends que vous me partagiez des belles meufs. Des très belles meufs, évidemment, sans les yeux marrons. Sur la galerie, avec le hashtag NotSoShirley. Voilà. Des bisous, Paulinette. Allez, vas-y. Tu me fais ça avec les cartes postales, mon biquet, s'il te plaît. Aïe. Après, ça, on va peut-être voir si on peut pas lui choper une... Sa sœur. Sa sœur, elle veut rester... Putain, ils sont tous shootés, les PNJ, là. C'est juste pas possible. Affreux. Par ma barbe, discuter. Trouver un correspondant. Ah, est-ce que ça, en fait... Attends encore une réponse. Attendez. Twinbrook, j'ai. Appaloosa, j'ai. Bridgeport, j'ai. Moonlight Falls, j'ai. Sunset, j'ai. Ok, donc il me faut vraiment les deux, là, Dragon et Midnight Hollow. Ok. Et Little Heaven. Excuse-moi, t'as pas le temps de pisser, ma biquette. Ouais, mais les cartes postales, mon coco. Collection, c'est chiant, déjà. C'est... Okay. De toutes les couleurs, sauf noir et marron. C'est ça. C'est ça. Imaginez que les villes, les cartes postales, sont les futurs noms de prochaines villes qu'on va voir. Bah, juste... Apparemment, c'est les anciens mondes de Sims 2, je crois, ou Sims 3, je sais pas. Donc ça existe déjà dans les Sims, en fait. Mais c'est les anciens, pas les futurs. J'ai envie de leur looker. Je leur lookerai plus tard. Tu vas me faire un... Tu vas manger? Puis il se fait 1h27 de live. C'est parce que tu voulais manger. Ouvrir. Allez, vas-y, mange. C'est pas le meilleur sandwich du monde, hein. Bonne meilleur repas, mais... Ça va, mon papou? On va lui parler un petit peu, parce qu'après il va claquer, donc ce serait dommage. Il va nous manquer, le petit copper, quand même. J'ai jamais joué au Sims 2, le premier... que au premier au 3. Ben moi, j'avais pas toutes les extensions, donc en vrai, je me souviens pas des noms, si tu veux. Donc, C'est les villes des Sims 3, voilà. C'est pour ça, et moi, j'avais le jeu de base. Donc j'ai jamais eu d'autres villes, en fait, donc... voilà. J'avais deux extensions que je peux plus réutiliser, ce qu'ils disent que ça a déjà été pris. Voilà, donc j'ai les Sims 3 jeux de base, mais voilà. Et c'est Sunset Valley, je crois, non? Je sais plus, c'est quoi le truc de Sims de base. Ça va se faire 22h. Hein. Bon, tant pis, t'auras pas le temps avec ton père. Tu vas t'entraîner à écrire un peu, non? Va t'entraîner à écrire. Mais fini, arrête de parler et bouffe ton sandwich là. En plus, il donne vraiment pas envie. Hein. Jambon fromage, franchement. Il fait pas rêver, hein, coco. Bouh. Moi, je t'en ferai un de sandwich fromage, tu vas voir, tu vas faire... Ah ouais, quand même. Oh, 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 oh. Coucou. Qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce que... Mais what the fuck? Mais... Mais c'est quoi? Mais c'est... Mais quoi?
Mais fous le camp. Mais t'es de qui, toi? De coup, d'où tu dors chez nous? Non, mais... non, mais c'est... Mort de rire, il ceste, cruge et mamiloul. Mais c'est un vendeur du quartier, mais c'est pas un hôtel, ici? Mais fous le camp. Oh, ça me flingue. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi ce... Alors là, qui viennent et qui se baladent, j'ai l'habitude, mais alors qui se tape l'incruste pour dormir dans la chambre, il s'est dit, oh, c'est... y a personne qui dort là. Allez. Allez, content, là. Et je me balade, ouais, après la sieste, et chez les gens que je connais pas. Moi, je vais bosser. Je suis en forme, ouais, t'as vu, j'ai bien dormi, c'était pas safe, moi, c'est pas grave, ouais. Ça me rappelle le chien, tu sais. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Bah où? Ouais. Ah bah il repart. J'ai même pas vu qu'il y avait une piste pour patiner. Acheter des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ça devient n'importe quoi. Hein. Goule tu pourrais pas de mince. Je l'ai vu qu'après. Remis du chien joyeux, c'est ça. C'est ça, on prépare le best-of 2021, ouais. Ça promet. Et je... Pff, allez, vas-y, augmentation 10 sims de plus. Elle aussi, oh la vache. Et je m'en occupe pas du tout. Et ils arrivent quand même à me faire des augmentations. Ils sont incroyables, hein, quand même. Les vieux, là. Ils sont fortiches. Hein. Et lui, il est content. Copain, il fait « Oui, de la pluie oui !»« Ouais, ça pleut, ça mouille !»« C'est la fête à la grenouille !» Il n'y a aucun de vous deux qui veut faire à bouffer pour votre fils ?« À toi, ya !» C'est le petit déj, là, des petits pancakes. Ça doit être facile pour toi, Cop Cop, avec ton niveau 10 en pâtisserie. Ouh! Qu'est-ce que t'as, bichon? Tu veux... Vas-y, contemple un peu. Si t'as besoin de te sentir créatif. Voilà, pendant que ton père fait les pancakes, crée un petit peu, voilà, ça va te faire du bien. Tu crées des horreurs, c'est pas grave, on a l'habitude. Et prends une portion. Vas-y, tu finiras plus tard. Des bons pancakes. Quand on fait pareil, on se tape. C'est des... Ah oui, quand tu... Ouais, ton sim se fait ça, c'est inapproprié. Tu te dis, mais attends, c'est bon, on n'a rien fait, quoi. C'est pas encore ça pour eux, ces bouquins, hein. Ils sont pas encore géniaux, ces bouquins. Argent sale. En examinant les comptes, Chamallow se rend compte, ça fait deux fois compte quand même les Sims, que certaines lignes ne concordent pas. Après une enquête plus approfondie, il réalise que d'importants montants ont été détournés vers un compte secret. Chamallow ne s'est pas encore fait un nom dans l'entreprise. Mais cela a l'air d'être le genre de choses qu'il faut signaler à la police. Remettre à la police, Chamallow améliorera sa notoriété et sa réputation. Chamallow perdra son travail. Perdre les documents, il n'y aura aucun changement dans la vie de Chamallow. Alors, comme c'est un challenge, et qu'il doit faire cette carrière, je n'ai pas le choix que de perdre les documents. Ce serait du fun, je m'en fous, il n'y a aucun problème. Je le ferai, je jouerai au jeu, mais là, c'est un challenge. Tu cliques où sur MCC pour avoir des jumeaux dans grossesse? Voilà, je vais te faire voir sur une... Sur ça. Voilà, MC Command Center. Tu vas dans MC Grossesse tout de suite. Clac.
Et donc, Yama-chan, jeune adulte. Il habite au manoir Feuilly. Tu peux faire début de la grossesse. Tu peux utiliser les sims actifs. Par exemple, là, c'est Chamallow, mais je ne veux pas hein, qu'il fasse un enfant avec Chamallow. Ça m'embêterait un petit peu. Sinon, tu fais début de la grossesse et c'est apparemment une fille. Donc, tu choisis la liste. Il te prend des mecs disponibles. Donc voilà, tu choisis après celui que tu as envie. Quoi. Ou alors, s'ils sont en couple, c'est automatique. Si le sim s'est déjà marié, eh ben, il fera automatiquement un bébé avec son mari. Et si c'est un homme, eh ben, tu dois quand même choisir un inséminateur. Elle est un peu vieille pour l'exemple, donc ça ne marchera pas. Voilà, voilà. Bon, on va attendre qu'il rentre du boulot. Avec de la chance, on aura peut-être des cartes postales. Comme ça, on serait déjà à la moitié. Ce serait cool. Si j'en récupère au moins une. Des pommes de terre, nous avons ici. On aura récolté des pommes de terre. Je croyais que j'étais en vitesse 3, mais pas du tout. Simflows. J'arrive pas à le dire. Une pomme de terre. Tu vas me faire des pommes de terre, Jean-Pierre. Allez, plante. C'est pas grave, oh là là, tu vas pas mourir parce que t'es mouillé, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Des fruits pour débutants. Pourquoi tu l'as pas ouvert? Des raisins et des bananes. Alors, les raisins, je veux bien. On va en mettre deux. Tac. Bah, t'y retournes. Allez, hop. Non, pas manger. Oh, Jacqueline. Vas-y, va. Je crois que lui, il pourra pas, non? Non, il pourra pas. Tant pis. Alors, vas-y. Reprends ta toile. Puis tu vas te changer. Une bonne petite tenue, on s'en fout. Voilà. Et puis, il sent mieux comme ça. 60 dollars. Le nom du CC. Le nom du CC de quoi? Le MCC? C'est MC Command Center. Blablabli, consultez les réponses. Vendre à un collectionneur. Pisser. Yo ho ho, j'ai un nouveau moussaillon en provenance de Barnacle Bay. Barnacle? Discuter. Écrire une lettre à Barnacle. Attendez. Barnacle Bay. Et est-ce que je peux demander maintenant, discuter, demander une carte postale de... Oui, Dragon Valley. Discuter, demander une carte postale de... Midnight Hollow. Elle a fait à bouffer, maman? Mais c'est génial, elle a fait à bouffer pour la famille. Mais c'est génial. Oh, ils ont mis les Sims en musique. C'est quoi ce floud? Martial, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Martial, tu mérites un ban. Tiens, d'ailleurs, je vais te purge. Hop. Clac ! Voilà, j'ai fait le ménage.
Salut Pipou, je te reconnais. Non, ça me dit comme ça, non. Pas non. T'es choqué, bah attends, t'as vu le spam que t'as fait? C'est interdit, hein. Je parle plus, ouais. On n'a pas reçu de... Oh! Moi je voulais finir avec une autre carte postale. C'est la déception, là, dans mon corps. Ah les vieux. Tu meurs quand, Copper? On a encore le temps. 96. Et elle, 153. Tout est normal. Je vérifie maintenant qu'il n'y a plus personne qui dort dans les lits, parce que bon... Oh, Copper, waouh! Tu rigoles, il est tôt encore, non? J'ai Biquette, là, viens écrire un peu. Viens écrire. Viens t'entraîner. Qui c'est qui vient? Mais on te connaît pas! Va-t'en. Non, puis t'as été shooté, t'as l'air moche. J'étais sur le Discord, et mon avis, c'est le 23 novembre, tu as dit que les scorpions, c'était les bestes. C'est normal que tu te souviennes pas. Parce que c'est vrai que les scorpions, c'est les bestes. Mais après, oui, malheureusement, si tu es pas beaucoup là, ou si tu parles pas beaucoup, je vais pas forcément me souvenir de toi. Quel déhanché. Le Airbnb, ça existe pas dans les Sims, tu pourrais gagner des sous, n'est-ce pas, hein? On a une chambre dispo, là. Location d'une pièce. Ah si, on peut mettre des colocataires, mais je sais pas comment ça fonctionne en vrai. Les colocs. Mais je t'ai dit de te barrer, toi! Ah non, hein. Mensonge, ce sont les cancers les mieux. Je lui ai dit de se barrer, elle rentre et c'est une vampire. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Ça me fait trop rire, cela. J'ai eu l'impression de voir limite scène de ménage. Oh là! Et ils s'aiment plus, les deux. Oh, comment ça a baissé entre eux? Je suis choquée. On aurait dit, tu sais, le père qui faisait là des grosses blagues en disant hey, « Eh mon fils, j'espère que t'as raconté l'histoire du nain, tu sais, qui fait ça. » Et elle fait « Oh, mais arrête de te foutre de sa gueule, hein, c'est sérieux ce qu'il fait, lui, quand il écrit, hein. Oh ouais, !» J'ai vu ça dans ma tête, à peu près. Eh, c'est bon, va te coucher. J'ai les vieux, ils doivent se réconcilier, là, les deux. Ah là 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 là. Mais casse-toi, toi aussi! Oh, mon titi! Conversation aggravante. Non, mais vous allez vous calmer, hein, les deux, là? Ah, mais là, il y a plus... ils vont bientôt divorcer, alors qu'ils sont pas mariés. Non-divorce. MC Grossesse. Dû à des changements du nombre de Sims dans ce foyer, la grossesse générée pour Nathalie Garnier n'est plus valide. La pauvre, elle a perdu son bébé. Mais surtout qu'on, nous, on n'a pas de grossesse en cours, donc en fait, t'es gentil, mais le MCC, mais... Je n'y suis absolument pour rien, cette fois-ci. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Tu viens dire bonjour? Tu faisais un gros dodo, mon bébé. Toi, je t'ai dit de te barrer. Casse-toi, la vampire. Là. Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Oh, mon bébé chaton. Voilà, ça va se draguer un petit peu, là. Histoire de... Hein? De se réconcilier. Faire un peu de sesque, tout ça. C'est pour ça que Thirion il vient voir et dit « Ah non, il y a du sesque, hein, j'arrive. » Non, je pense qu'ils se sont... Ils ont envie de se taper dessus. Mais pourquoi il a... Oh, ça m'énerve.
On va finir par un petit crac-crac des vieux, et puis comme ça. En espérant qu'ils claquent pas tous les deux. Ouh, justement, qu'ils claquent en même temps, comme ça on sera tranquille. Pendant ce temps-là, les vampires ne font que rentrer chez moi. Non, baston. Maintenant, gars, ils sont amoureux, là. Allez, petit crac-crac des familles, là, pour finir l'épisode du jour. Oh là là, Alexa! Alexa, elle a glissé! Merci beaucoup pour les deux abonnements à Marine et Camille. Merci énormément, Alexa. Oh, John, que tu fais beau, John, John. Oh, John, John, Snow, Snow. Merci beaucoup, Alexa. Oh, John. Et gros bisous à toi, Ismaël et Boule. Merci beaucoup. Pourquoi tant de générosité? Pourquoi? C'est sûr que t'as écrit en très libre. Non, non, pas du tout, non. Allez, les vieux. Attention au coudrin. Ça peut faire mal. Petite glissade dans les règles de l'art, c'est ça. Il y a de la glissade, là, ça y est. Il y a de la glissade dans l'air. Bah, parce que c'est pour ça, la tête a eu envie de glisser, parce qu'elle a su qu'il y a l'air du 16 contre les vieux, donc... Et que les vieux, ils ont besoin de... Que ça glisse. Bon, ça va mieux entre vous, maintenant? C'est pas super, super, mais c'est déjà ça. Ah ouais, oh, c'était nul, en plus. C'était nul, et elle est crevée. Ah, c'était nul. Et c'était nul à chier. Copper, ça faisait trop longtemps, il avait pas levé le mât, donc maintenant, ben, c'était nul. C'est triste. Bon, et ben moi, c'est là-dessus que je vais les laisser. Il est 2h du matin, je vais mettre sur pause, je veux enregistrer. Et je vais remercier YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. Et donc, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Note Sauberry. Et évidemment, n'hésitez pas à partager vos femelles avec le hashtag NotSoShirley pour que je puisse les installer et que notre ami Chamallow puisse éventuellement les rencontrer pour faire des petits bébés avec. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt YouTube sur la chaîne, j'espère en tout cas. Ciao.